Depuis le verset 28. Starting from verse 28. Jusqu'au verset 30. Till verse 30. Luc 17, 28 à 30. Luke 17, 28, 30. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Likewise also, and it was the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, and they built it. Mais le jour où Lot sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Dieu notre Père céleste, Lord our Heavenly Father, je suis ton serviteur. I am your servant. Aide-moi encore aujourd'hui. Help me again today. Sans toi, je ne peux rien faire. Without you, I can't do anything. Aide-moi, Jésus. Help me, Jesus. Aide toutes les personnes qui écouteront. Help everybody that will hear it. Ici et dans les réseaux sociaux. Here and in the social media. Cet enseignement. This teaching. Que nous puissions croire que Jésus est notre Dieu. And let us believe that Jesus is our God. Et que le prophète William Branham est son serviteur. Is his servant. Merci Seigneur. Thank you Lord. Parle-nous. Speak to us. Nous te le demandons dans le nom de Jésus Christ. We ask you in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. You may be seated, please. Moi, j'appelle ça question-réponse. I'm calling it question and answers. Selon le prophète William Branham, according to the prophet William Branham, la manifestation du Fils de l'homme, the manifestation of the Son of Man, est la plus grande promesse faite à l'Église du temps de la fin. Is the greatest promise given to the Church of the End Time. Calling Jesus on the scene, paragraph 59. Il n'y a pas d'autre promesse dans la Bible. There is no other promises in the Bible. Au-dessus de cela. Above that. Une promesse suprême. A supreme promise. Combien savent cela? How many know that? Certainement. Certainly. C'est la dernière chose. The last thing. Pour l'âge de l'Église. For the age, the church ages. Certainement pour Laodicée. Certainly for Laodicea. C'est la plus grande des promesses. It's the greatest of the promises. La manifestation du Fils de l'homme. The manifestation of the Son of Man. Vous devez le savoir. You have to know it. Que le frère Branham a dit le message n'est pas. The Branham said the message is not. Le messager n'est pas le Fils de l'homme. The messenger is not the Son of Man. William Branham. William Branham n'est pas le Fils de l'homme. Is not the Son of Man. Le Fils de l'homme, c'est Jésus Christ. Is Jesus Christ. Mais le messager, but the messenger, est un fils de l'homme. Is a son of man. Un prophète. A prophet. Qui manifeste le Fils de l'homme. That manifests the Son of Man. Jésus Christ. Jesus Christ. Est-ce c'est difficile? Is it hard? No. Ah non, merci. Frère Branham le dit. Brother Branham says it. Dans la prédication. In the sermon. Les soins du temps de la fin, paragraphe 269. Anointed of the end time, paragraph 269.
Ce n'est pas que it's not that que l'ange est le fils de l'homme. That the angel is the son of man. Mais le messager révèle le fils de l'homme. But the messenger revealed the son of man. Pouvez-vous les séparer maintenant? Can you make a difference out of them? C'est là que cela semble si dur pour vous. That's why it seems Voyez-vous? So hard for you, see? Voyez-vous? See? Ce n'est pas le fils de l'homme lui-même. It's not the son of man himself. Mais le septième ange, but the seventh angel, le septième messager, the seventh messenger, révèle le fils de l'homme au public. Reveals the son of man in the public. Jusque là, vous comprenez? Till now, you understand. Merci. Thank you. Moi-même, je me pose la première question. I'm asking the first question to myself. Ce grand Dieu Elohim. This great God Elohim. C'est la première question. That's the first question. N'agira qu'avec un seul homme? Will he act only with one man? No. 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 Le Dieu qui était au-dessus de nous, the God that was above us, s'était déversé en Jésus. Was poured into Jesus. Et Jésus avait tout la plénitude de Dieu. And just had the fullness of deity. Après son départ, after his leaving, personne ne peut recevoir toute la plénitude de Dieu. Nobody can receive the fullness of deity. Parce que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Because we are in the dispensation of the Holy Spirit. Baruti, tu peux nous prouver ça? Brother Baruti, can you prove that to us? Oui. Yes. Madame la l'a prêché clairement. We're going to preach it clearly. Oh, comment? Oh, how come? Le message. The message. Si quelqu'un. If somebody. Croit de sa façon, c'est sa propre faute. Believe his own way, that's his own fault. Parce que le message est clair. Because the message is clear. Il y en a tellement. There's so many of it. Je sais pas si faut que je donne combien de bon. I don't know how much I can give. Prenons pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné paragraphe 20. Why was the Holy Spirit given paragraph 20? Cela signifie. That means. Il y a un seul Dieu. There's only one God. En trois offices. In three offices. Puissions-nous le dire comme ceci? Let us say it that way. Tout ce que Dieu était a été déversé all that was en God Christ. Was poured into Christ. Parce qu'il s'est vidé lui-même, s'est déversé en Christ. He emptied himself, poured into Christ. Et Christ était la plénitude de la divinité corporellement. And Christ was the fullness of deity bodily. Tout ce que Jéhovah était, all that Jehovah was, il a déversé en Christ. He poured it into Christ. Et tout ce que Christ était, and all that Christ was, il a déversé dans l'église. He poured into the church. Non pas dans un seul individu, not just in one individual, mais dans le corps tout entier. But in the entire body. Je vois pas comment on peut recevoir toute la plénitude de Dieu. The entire fullness of nous God. Sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. We are in the dispensation of the Holy Spirit. Question réponse numéro 2. Question answer number 2. Paragraphe 111. Paragraph 111. Maintenant. Now. Le jour de la Pentecôte. The day of the Pentecost. Il est descendu cette colonne de feu. It came down that pillar of fire. Et s'est divisé. It divided itself this way. Et des langues de feu. Flames of fire. Se posèrent sur chacun d'eux. Were on top of each one of them. Le saisissez-vous? Do you understand? Dieu le Logos, God the Logos, se séparant lui-même dans des hommes, dividing himself into men. Dieu, God, non pas dans une seule personne, not just in one person. Il est dans son église universelle. Is in his entire church. C'est question réponse numéro 2, paragraphe 111. Question answer number 2, paragraph 111. J'ai beaucoup d'hésitations. I have so many quotes. Dieu dévoilé, paragraphe 59.
God unveiled, paragraph 59. Maintenant, now, nous trouvons ici que depuis la Pentecôte, we find here since the Pentecost, Dieu n'agit pas dans un homme. God don't work in one man. Maintenant, now, il agit à travers les hommes. He works through men. Au pluriel, voyez-vous? Plural, see, en ce temps-là, in those days, il agissait dans un homme. He was working through one man. L'homme, man. C'était Jésus. It was Jesus. Maintenant, and now, il agit à travers les hommes. He's working through men. Qu'il a choisi pour ce but. For that purpose. Dieu dans la forme d'un homme. God in a human form. Avec ces trois citations, vous avez quand même compris. With these three quotes, you understand. C'est la première question. Hein? That's the first question. Ah oui. C'est la première question. That's just the first question. Je vais me poser moi-même la deuxième question. I'll ask myself the second one. Mais avec qui Dieu accomplira-t-il cette promesse, la manifestation du Fils de l'homme? With whom God will fulfill this promise, the manifestation of the Son of Man? Moi-même, je réponds. Myself, I answer. Écoutez-moi bien. Listen to me carefully. Il accomplira. He will fulfill. Avec ceux qui ont des dons spirituels. With those who have spiritual gifts. Ah, Jésus. Ah, il faut que le prophète puisse prouver ça. The prophet has to prove that. Je vais lire le prophète. I'm going to read the prophet. So we will see Jesus. Paragraph 76. Do you want to see Jesus? I also want to see Jesus. He did ceci. He says this. Pas moi, William Branham. Not I, William Branham. Que devriez-vous chercher? What do you have to look for? Cette vie qui était en Christ. This life that was in Christ. Serait dans son église. Will be in his church. Voyez-vous? See? Dieu. God. Cet homme-là était Dieu. That man was God. Elohim, non? Elohim. C'était Dieu. He was God. Il représentait lui-même dans la chair humaine, sous forme humaine. In a human form. C'était Elohim. He was Elohim. Mais aujourd'hui, but today, Dieu se représente lui-même dans la chair humaine de son église. God is with himself in the human flesh of his church. Dieu. God. Le Saint-Esprit, the Holy Spirit, dans son église, in his church, se mouvant à travers son église, moving through his church, parlant en langue, speaking in tongues. Ah. Mm-hmm. Donc le parler. Le Fils de l'homme. You talk about the Son of Man. Cet homme-là était Elohim. That man was Elohim. Mais aujourd'hui, but today, c'est par le Saint-Esprit. It's through the Holy Spirit. Par les dons. It's through the gifts. Et il commence par un don vraiment très petit. And he started with a small gift. Parlant en langue. Speaking in tongues. Guérissant les malades. Healing the sick. Quelqu'un avec le don de guérison peut manifester le Fils de l'homme. Some of the healing gift can manifest the Son of Man. Yes, sir. Oui, monsieur. Et ensuite. And afterwards. Le dernier signe. The last sign. La parole tellement manifestée. The word so much manifested. Qu'elle discerne les pensées et les intentions du cœur. And it discerns the thoughts and intention of heart. Ça s'est fait avec qui? It happened with who? William. William. Marion. Marion. Branham. Branham. Et c'est William Branham a manifesté le Fils de l'homme. William Branham. Yes, sir. Oui, monsieur. Par un don.
through a gift. Il disait lui-même, j'attends. He was saying to himself, I'm waiting. S'il ne voit pas le don, if he don't anoint the gift, je rentre à la maison. I go back home. Merci beaucoup. Thank you very much. Ça m'encourage un peu là. It's encouraging me a little bit. Oh Lord Jesus. Combien comprennent cela? How many understand that? Combien croient que c'est la vérité? How many believe that that's the truth? Parlez donc. It's through a gift. Moi je ne crois pas. Moi je crois. I believe. Parce que Frère Branham l'a dit. Because Brother Branham said it. Moi je crois tout ce que Frère Branham dit. I believe all that Brother Branham says. Tout ce qui est écrit dans la Bible. All that's written in the Bible. Je crois. I believe it. Ça vous fait du bien. It's making you feel good. Moi aussi ça me fait du bien. It's making myself feel good. C'était quatrième question. What deuxième? That was the second question. Oui. La reine de Sheba. Queen of Sheba. Paragraphe 82. Paragraph 82. Eh bien, maintenant. And now. S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. He's the same yesterday, today, and forever. Il doit être le même. He has to be the same. En principe. In principle. Le même. The same. En puissance. In power. Le même. The same. En manifestation. In manifestation. La seule chose, c'est un corps physique. The only thing is the physical Son body. Son corps se tient à la droite de Dieu le Père. His body is next to the right side of the Father. Dans le ciel, sur le trône, croyez-vous? In heaven, in the throne, do you believe? Croyez-vous à cela? Believe thou this? Un souverain sacrificateur. The high priest. Et maintenant, and now, son Saint-Esprit, his Holy Spirit, est ici. Is here. C'est l'Esprit qui était en Christ. That was the Spirit that was in Christ. Qui est Dieu. Who is God. Dans la chair humaine. In the human flesh. Votre chair. Your flesh. Ma chair. My flesh. Quand le sang nous purifie, when the blood purifies us, il prêche à travers le prédicateur. He preaches through the preacher. Il est monté au ciel. He went up to heaven. Il a donné les dons aux hommes. He gave gifts into men. Les pasteurs, the pastors, les évangélistes, evangelists, les docteurs, doctors, ainsi de suite, and so forth. Ce sont des dons. Those are gifts. Tel que je prêche, c'est lui qui prêche. As I'm preaching, it's him preaching. Il prêche à travers le prédicateur. He's preaching through the preacher. C'est un don. It's a gift. Amen. Amen. Il prêche l'évangile à travers le prédicateur. He preaches the gospel through the preacher. Prophétise à travers le prophète William Branham, through the prophet William Branham, et révèle le secret du cœur, and reveal the secret of the heart, parle en langue, speaks in tongues. Oh my God, tu reviens encore avec les paroles. You come back with the speaking in tongues. Est-ce que les paroles en langue c'est un don? Is speaking in tongues a gift? Oui. Yes. Est-ce que les paroles en langue peuvent manifester le Fils de l'homme? Is speaking in tongues manifest the Son of God? Oui. Yes. Parle en langue. Speaking in tongues. Interprète les langues. Interpreting the tongues. Et tout est en ordre. And all is in order. Croyez-vous cela? Believe that. Très bien. Well. C'est la reine de Sheba. That's the queen of Sheba. Paragraph 82. Donc. Then. Il manifeste le Fils de l'homme à travers les. He manifests the Son of Man. Les dons. The gifts. Psalm 68, la nouvelle, la nourriture spirituelle. 168, spiritual food. Oh Jésus, tu es merveilleux. Oh Jesus, you are wonderful. Qu'est-ce que tu dis encore là-bas? What are you saying there? C'est pas moi, c'est Frère Branham. It's not me, it's Brother Branham. La nourriture spirituelle au temps covenant. Spiritual food in due season. Viens lire ça ici. Mais il se matérialise en prenant votre corps et mon corps et vous donne des dons. Me donne des dons et à travers ces dons, il se fait connaître lui-même. Amen.
travers les dons, through the gifts, il se fait connaître. He makes himself known. La manifestation du Fils de l'homme, the manifestation of the Son of Man, c'est Dieu qui se fait connaître à travers un don. It's God making himself known through a gift. Il se matérialise. He materializes himself. Dieu devient vous. God becomes you. Vous devenez Dieu. And you become God. En prenant votre corps, taking your body, et mon corps, and my body. Oh, William Branham aussi. Oh, William Branham also. Oui, c'est toujours à travers un don. Yes, still through a gift. Il vous donne quoi? And what does he give you? Des dons. Gifts. Et me donne moi Branham aussi quoi? And he gives me Branham what? Des dons. Gifts. Et à travers ces dons, and through those gifts, il se fait connaître lui-même. He makes himself known himself. La manifestation de quelqu'un, the manifestation of somebody, c'est quelqu'un qui veut qu'on le connaisse et se manifeste. It's somebody who wants people to know him, he manifests himself. C'est moi. It's I. Regardez comment je joue très bien. Look how I'm playing very well. The football. Comme ça, on sait que c'est lui. Now they know that it's personne him. Personne ne peut jouer comme lui. No one can play like him. Amen. Amen. Vous savez ma prédication ici, qui m'a, you know my sermon here? Qui m'a demandé de le faire? Who asked me to do it? L'oba la vérité. Say the truth. C'est votre pasteur. It's your pastor. Moi je voulais prêcher autre chose. No. Fils de l'homme. The Son of Man. Beaucoup de gens adorent Frère Branham à partir du Fils de l'homme. So many are worshiping Brother Branham through the Son of Man. Si tu peux nous parler un peu de ça. If you can talk to us about that. Adopi Singyamba. C'est la vérité. Adopi Singyamba, is that the truth? Oui. J'ai dit ok. I say, okay. Il faut enlever de vos têtes. You have to remove out of your head. Que Frère Branham est notre Dieu. That Brother Branham is our God. No. Nous avons un seul Dieu. We have only one God. Son nom est Jésus Christ. His name is Jesus Christ. Amen. Il a manifesté le Fils de l'homme. He manifested the Son of Man. Nous le croyons. When we believe Et him. Nous remercions Dieu. And we thank the Lord. Nous avons vu Dieu à travers cette manifestation. We saw God through that manifestation. Amen. Amen. Mais il ne restera jamais notre Dieu. He will never be our God. Never. Nous avons déjà notre Dieu. We will have our God. C'est Jésus. It's Jesus. Pastor, I tapped you, fooled you. President, I accused you. Vous croyez maintenant que ça se manifeste? Do you believe that it's manifested? À travers des personnes qui ont des dons. For people who have gifts. Oui. Yes. C'était ma deuxième question. That was my second question. Boom. Boom. Troisième question. Third question. Je voudrais savoir, Pasteur Baruti. I would like to know, Pastor Baruti. Comment s'opérait le don que le frère Branham avait? How was the gift that Brother Branham had? How was the gift was working? Puisqu'il avait le don. Because he had a gift. Comment ça s'opérait? How was it working? Il attendait que l'ange vienne. He was waiting for the angel to come. Pour oindre le don. To anoint the gift. Après l'avoir oint. And after anointing him. L'ange le quittait. The angel was leaving him. Il ne demeurait pas à l'intérieur. He wasn't staying inside of him. L'ange. The angel. Est plus grand que le frère Branham. Is greater than William Branham. Si l'ange reste là, if la he gets tête the angel, là, the head of the angel will be outside. Il faut que je fasse rire. I have to make you laugh a little bit. Je ne sais pas pourquoi les gens disent des choses comme ça. I don't know why people are saying these kind of things. Après l'avoir oint, l'ange le quittait. After anointing, the angel was leaving. Et allait dans la salle. And was going in the room. Puis le frère Branham voyait une lumière briller. And Brother Branham was seeing a light shining. Sur un malade. Upon a sick. Et Dieu lui disait de quoi and cette personne souffrait. Or what that person was suffering. Et Dieu ajoutait un ainsi dit le Seigneur pour la guérison de cet homme-là. God was in it, that's the Lord for the healing of that man. Quand frère Branham est oint. When Brother Branham is anointed. L'ange le quitte. The angel leaves him. Il va là-bas. He goes back there. Si vous avez compris, dites amen. If you understood, say amen. Amen. Moi, ça fait du bien. It's making me feel good. Quand vous prêchez quelque chose que vous-même vous connaissez très bien. When you preach something that you know yourself. Quelle joie.
Oh, what a joy. When you preach something that you don't master yourself, you are in big issues. When you ask a question, you will have no answers. Demonology, domain religieux. Demonology, the religious domain. Paragraph 40. Paragraph 40. Suivez-moi très bien. Follow me carefully. Et and j'observe l'ange du Seigneur. I observe the angel of the Lord. Quand il se tient ici, when he stands here, je peux sentir cela. I can feel that. Il sent ça comment? How does he feel it? Parce que because l'ange qui est venu est en train de le oindre. The angel that came is anointing him. Je peux sentir cela. I can feel it. Oui, Frère Branham, continue. Yes, Frère Branham, continue. Alors, and then, je peux sentir aussi que cela s'éloigne de moi. I can feel that it's going far away from me. L'onction, the anointing, le quitte, leaves him, et s'éloigne de lui, and goes a little far from him. L'onction va où? Where does the anointing go? Et j'observe. And observe. J'observe. I'm observing. Cela me quitte. That leaves me. Va quelque part. Go somewhere else. Si tient. And stands. Un tout petit peu. A little bit. Et je peux voir cela. And I can see it. Puis cela brille. And then that glows. Et une vision vient. And a vision appears. Et je vois la vision. And I see the vision. Puis je regarde autour de quelle personne cela se tient. Around what person that's standing. Et je trouve la personne. And I find the person. Alors je parle. And then I speak. C'est ce qui arrive. That's what's happening. C'est ce qui se passe. That's what's happening. La suite là, il dit, je ne suis pas obligé de vous le dire. After they say, I'm not obligated to tell you. C'est son ministère. That's his ministry. Frère Branham, il fallait le dire parce qu'il y a des problèmes qui sont venus après, Frère Branham. Merci pour l'avoir dit. Thank you for saying it. Ah. Vous aimez ça? Do you love it? Nous avons un Dieu merveilleux. Oh, we have a wonderful God. Tout se trouve là. Oh, it's found there. Dans la prédication El Shaddai. In the sermon El Shaddai. Paragraphe 76. Paragraph 76. Frère Madame dit ceci. Frère Branham says this. Pouvez-vous croire? Can you believe? Regardez là, derrière. Look here behind. Un homme. Amen. Il y a cette lumière. There is that light. J'ai les yeux braqués tout droit sur elle. I have my eyes looking at it. Sur la lumière. On the light. L'homme a quelque chose qui ne va pas. The man has something avec ses mains. That's not working with his hands. Et quelque chose qui ne va pas. And something that's avec ses genoux. With his knees. Il a aussi l'épilepsie. He also have epileptic spirit. Vous venez de sortir de l'hôpital. You come from coming out of the hospital. Si vous croyez là, if you believe that, au fond de cet homme là, in the back there, that man there, pouvait être, you can be guéri, healed. Si seulement vous pouvez croire, if you can only believe, au Seigneur Jésus, to the Lord Jesus. Très bien. Well, c'est comme ça que ça s'opérait. That's how it was working. Donc la lumière était sur quelqu'un. So the light was upon somebody. Cette lumière qui était venue oindre le don. That light that came in and quitté. That left him. Se trouvait sur quelqu'un. Was on somebody else. Et Frère Branham prononçait la guérison de la personne. And Frère Branham was speaking the healing of the person. Démonologie de domaine religieux. Demonology, the religious realm. Paragraphe 22. Paragraph 22.
Et l'ange du Seigneur qui se tient à côté de nous ici. And the angel who is standing beside us here. Se tient toujours à ma droite. Oh, he stands on my right hand side. De ce côté-ci. On this side. Et il se tient là. And he stands there. Et tournoyé tout autour. And turning around. Et j'ai vu cet homme se tenir sous cela. So that man standing under that. Et cet homme sentait cela. And that man was feeling it. Que ce soit homme, femme. There'll be men, women. Quand vous venez à côté de frère Branham, when you come close to Brother Branham. Il passait les gens toujours à sa droite. He was putting people on his right hand side. Parce qu'il savait que l'ange se tenait à sa droite. Because he knew the angel was in his right side. Je peux vous donner 10 citations. I can give you 10 quotes. Oh, il entre, lui, il oh, est he gets and he stays there. Oh. 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 You don't know things. Fanda. Go sit down. Somba. Sit down. I've already understood. Je continue mes questions. I continue with my questions. Quatrième question maintenant. It's the fourth question. C'est ça. Is it? Est-ce que les gens pouvaient voir cet ange-là? Were people able to see that angel? Oui. Yes. Oui, bien sûr. Yes, surely. Quelques personnes l'ont vu. A few people saw him. Billy Paul, quand il était encore enfant. Billy Paul, when he was still a child. L'ange était venu visiter Frère Branham. The angel came to visit Brother Branham. Et quand l'ange voulait partir, and when the angel wanted to leave, Frère Branham a dit à l'ange, ne pars pas. Frère Branham told the angel, don't leave yet. Je veux quand même que mon jeune frère puisse te voir. I want my young brother to see you. Pour qu'il sache que je ne suis pas un menteur. That I'm not a lie. Je t'ai rencontré. I met you. L'ange lui a dit, pas ton jeune frère. The angel said, not your young brother. Réveille ton fils Billy Paul. Wake up your son Billy Paul. C'est lui qui travaillera avec toi. He will work with you. Mais Billy Paul ronflait. Billy Paul was snoring. Les trois étaient dans un même lit. The three were sleeping on the same bed. Frère Branham n'était pas millionnaire. Frère Branham was not a millionaire. Mais l'ange était là. But the angel was there. Alors, quand il a réveillé Billy Paul, and then when he awake Billy Paul, il a mis sa main sur les yeux de Billy Paul. He placed his hand on the eyes of Billy Paul. Il dit, n'aie pas peur. Fear not. Vers la fenêtre là, towards the window, il y a un homme. There is a man. Il est habillé en robe blanche. He's dressed in a white dress. Il a un teint sombre. Is a little dark. Il a les cheveux noirs. He has black hair. Et il est pieds nus. And he's barefooted. C'est l'ange. That's the angel. C'est Dieu. That's God. N'aie pas peur. Fear not. Tu ne mourras pas. You will not die. C'est lui-même qui a demandé que tu puisses le voir. He asked himself for you to see him. Comme un témoin. As a witness que je that dis la vérité. I am telling the truth. Il a enlevé la main. He removed his hand. Billy Paul a regardé. Billy Paul looked. Il a vu un homme. And he saw a man. Ses pieds ne touchaient pas le sol. His feet were not touching the ground. Et cet homme le regardait. And that man was looking at him. Droit dans les yeux. Straight in the eyes. D'un air sérieux. He was very serious. Et puis cet homme. And then that man. Devait partir. Had to leave. Il était habillé en robe blanche. Was dressed in a white robe. Pieds nus. Barefooted. Il a fait ceci. He did this. C'est comme s'il est sorti par la fenêtre. He came out of the window.
Mais la fenêtre était fermée. But the window was closed. Il est sorti par là. He came out of there. Pew. Il est parti. And he left. J'ai causé avec le frère Billy Paul là-dessus. I spoke to brother Billy Paul on J'ai that. Dit, Billy Paul, tu sais pourquoi je t'aime beaucoup? I said, Billy Paul, you know why I love you so much? Quand ils étaient venus chez nous à Kinshasa. When they came to us there in Kinshasa. Qui était à Kinshasa à cette époque? Was in Kinshasa during that time. Ah, qui avait vu Billy Paul à Kinshasa? Who saw Billy Paul in Kinshasa? Oui. Je lui ai dit, je t'aime. I said, I love you. Parce que l'ange t'aime. Because the angel loves you. Il voulait choisir son jeune frère. He wanted to choose his young brother. L'ange a dit toi. But the angel said you. Et puis Paul m'a dit je l'ai vu. And Billy Paul said yes, I saw him. Seigneur, je ne veux pas d'onction. Je ne veux pas d'onction. I don't want the anointing. J'ai embrassé Billy Paul. I hugged Billy Paul. Je dis puisque Dieu t'aime. I said because God loves you. Moi aussi je t'aime. I also loves you. Love you. J'aime tellement Jésus. Jésus est mon ami. I love Jesus so much. Jesus is my friend. Alors toi tu es. So you. L'ami de Jésus. The friend of Jesus. Tu es aussi mon ami. You are also my friend. Je l'ai embrassé. I hugged him. Un homme doux. A humble man. Humble. Really humble. Bien. Really Billy just Paul, good. Billy Paul est bien. Billy Paul is good. Seigneur, laisse-moi prêcher. Lord, please let me preach. Je veux pas d'onction. I don't want anointing. Billy Paul le voyait. Billy Paul was seeing. Toutes les fois qu'il venait. Every time he was coming. Quand Frère Branham prêchait. When Brother Branham was preaching. Billy Paul le voyait. Billy Paul was seeing. Pourquoi? Him. Why? Mais il avait la capacité de le voir. He was able to see him. Il a vu une fois. He saw him once. Il le verra toutes les fois quand il sera là. Every time he gets there. Dieu avait ouvert ses yeux. God opened up his eyes. Merci mon Dieu. Thank you my God. Que Dieu puisse bénir Billy Paul. God please bless Billy Paul. Et si les gens peuvent le voir. And people can see him. C'était quatrième question. Hein? That was the fourth question. Mais oui bien sûr. Yes, surely. Meda l'a vu. Meda saw him. Meda était timide. Meda was so shy. Mais lui a dit non, non. He said, no, come. Comme c'est ton mari qui prêche. Since it's your husband preaching. Viens ici devant. Come here, sit here in the front. Meda était timide comme Maman Fo. Was shy like Maman Fo. Je ne sais pas si Maman Fo viendrait s'asseoir derrière moi en train de prêcher. Behind me while I'm preaching. Non, elle va refuser. She's going to refuse. On a insisté, mais they insisted. Meda came at least. Et s'est assise. She sat there. Et quand l'ange est venu. And when the angel came. Meda l'a vu. Meda saw him. Il dit, chérie. He said, honey. Je l'ai vu aujourd'hui. I saw him today. Quand tu priais pour les malades. When you were preaching, praying for the sick. Il était là. He was there. Lui aussi imposé la main. He was also laying his hands. Avant même que tu termines la prière. Before you finish the prayer. Il s'est déplacé. He moves away. Meda avait vu. Meda saw. L'ange de l'Éternel. The angel of the Lord. Je vais lire ça. I'm going to read it. Et un homme avait amené sa femme. And a man mourante. Brought his wife that was dying. Quand descendait la femme. When we were bringing down the wife. De, comment vous appelez ça? De l'ambulance. From the ambulance. Oh. Quelqu'un est venu vers la femme. Somebody came towards the wife. Il dit, est-ce que tu veux te guérir? Say, do you want to be healed? Say, oui, c'est pour cela m'a amené. Say, that's the reason why they brought me here. Et tu seras guéri. Say, you will be healed. Tu vois, Frère Branham était fatigué. You see, Brother Branham was tired. Je veux lui donner la force. I'm going to give him strength. Et il priera pour toi. And he's going to pray for you. Tu seras guéri. And you will be healed. Est-ce qu'on vous a dit que cette femme-là croyait au message de Frère Branham? Do you think that woman was believing the message of Brother Branham? Non. No. Il avait entendu, elle a entendu parler de Frère Branham. She just heard talked about Brother Branham. Avec un cancer à l'hôpital. With a cancer in the hospital. Il n'y avait plus d'espoir. There was no hope anymore.
Les médecins attendaient sa mort. The doctors were waiting for her death. Et quand Frère Branham a vu qu'on descendait, and when Frère Branham said, bringing on the wife. Ça, de, hein? De l'ambulance, ça lui a fait mal. He heard him. Frère Branham a quitté la chaire. Frère Branham left the pulpit. Et il est allé là. And he went there. Pour prier pour cette femme. To pray for that woman. L'homme qui avait parlé à the cette femme. The man who spoke to that woman est venu derrière Frère Branham. He came behind Brother Branham. Il n'avait pas prié. He did not pray. Il regardait Frère Branham. He was looking at Brother Branham. Il regardait Frère Branham. He was looking at Brother Branham. Et Frère Branham priait. And Brother Branham was praying. L'ange ne faisait que regarder Frère Branham. The angel was just looking at Brother Branham. Quand Frère Branham a terminé la prière, when the angel was done with the prayer, cet ange a s'est levé. The angel stood up. Et il est parti. And he left. Bien-aimé, beloved, vous ne pouvez pas limiter Dieu. You cannot limit God. Donc, and then, cette femme-là, that woman, qui était en train de mourir d'un cancer, that was dying from a cancer, a vu notre Dieu. Saw our God. Parce que cette femme avait confiance. Because that woman had confidence. Au don que Dieu avait donné à son serviteur William Branham. In the gift that God gave to servant William Branham. Elle a quitté l'hôpital. She left the hospital. Pour que Frère Branham prie pour lui. So that Brother Branham can pray for her. Et Dieu s'est manifesté. And God manifested himself. C'était la quatrième question. What question was that? Je suis seulement dans la quatrième. I'm just in the fourth question. Jésus. Élie est le fond de la farine. Eli and the meal offering. Paragraph 60. Paragraph 60. Frère Madame dit ceci. Frère Madame says this. Ma femme est très timide. My wife is very shy. Ainsi. And then. Il a été appelé à venir sur l'estrade. She was called to come in the platform. Quand on l'a appelé, elle s'est presque évanouie. When they called her, she almost faded away. Elle vint donc. But she still came. Alors que je me trouvais déjà sur l'estrade. While I was standing on the platform. Et l'onction était déjà là. And the anointing was already pour there. Pour le service de guérison. For the healing service. Elle dit que c'était la première fois. She said it was the first time. Qu'elle s'est trouvée dans la présence de Dieu. That she was in the presence of the Lord. Comme ça. That way. Elle a vu. She saw. Sur l'estrade. On the platform. Pour la première fois. For the first time. Qu'il se tenait ici. That he was standing here. Oh Jésus. Oh Jesus. Lorsque je l'ai rencontré dehors. When I met her outside. Elle pleurait. She was crying. Il y avait des larmes dans ses yeux. There was tears from her eyes. Elle a dit, Billy. She said, Billy. Billy. Billy, je l'ai vu pour la première fois dans ma vie, dit-elle. Tu priais pour une femme et je l'ai vu venir se placer juste devant elle et se tenir là quelques instants. Puis il revint là où tu t'es trouvé. Puis, aussitôt que tu eus fini de parler, il disparut. Frère Branham, Brother Branham, j'ai vu le Seigneur Jésus. I saw the j'ai vu l'ange. I saw the angel. Quand tu priais pour cette femme-là, when you pray for that woman, il est venu. He came. Il a placé ses mains comme ça. He placed his hands. Et il te regardait. And he was looking at you. Et toi tu priais pour la femme. And you were praying for the woman. Et quand tu avais terminé. And when you were done. Il a disparu. He disappeared. Vous croyez à cela? Do you believe that?
Je peux vous dire qu'il est ici. I can tell you that he's here. Il est Dieu. He's God. Mida saw him. C'est que vous pouvez aussi voir cet ange. Meaning you can also see this angel. L'ange de Dieu. The angel of God. Paragraphe 10. Paragraph 10. Oh Jesus. Oh Jesus. C'est terrible. It's wonderful. Je suis en train de chercher. I'm still looking for it. How come? It's just formidable. You can also see him. Oh, I have a hard time. You won't have any hard time. Oh, j'aurais peur. Oh, I'll be scared. N'ayez pas peur. Do not fear. Il t'aime. He loves you. Tu cherches une preuve, il va you look donner. For proof. He's going to give it to il you. Va te donner la He's preuve. Going to give you the proof. Il est ici, dans cette église. That is here in this il church. Va pas vous abandonner. He will never forsake you. Cette femme là qui sortait de the woman was coming out a dit ceci said this mais elle décrit et dit she was describing said qu'il était un homme grand there was a great man oh Jésus était un mundele oh Jesus was a white no il était un homme he was a hefty man mais Elle décrit et dit qu'il était un homme grand, au visage brun foncé. 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 He had a little tan. Elle a dit, elle a décrit l'homme. She said she described. Elle dit qu'il était un homme grand. Say he was a great man. Au visage foncé. He was a little tan. Aux cheveux noirs. He had black hair. Qui pendait sur ses épaules. That was falling on his shoulders. Elle a dit. And she said. Je l'ai vu descendre de la plateforme. I saw him coming down on the platform. C'est que l'homme était sur la plateforme. Meaning avec the man was on the platform. L'ange éternel. The angel of the Lord. Avec le frère Branham. With Brother Branham. Quand frère Branham est allé là-bas pour prier pour cette femme. When Brother Branham went there to pray for that woman. Qu'on sortait de l'ambulance. They were waiting for the ambulance. On l'avait déjà placé sur un brancard. They placed her on the bed, hospital bed. Elle a dit, je l'ai vu descendre de la plateforme. He said, I saw him coming down the platform. Oh! Elle n'avait jamais entendu parler de ça. Sa vie. She never heard of that her entire life. Elle a dit, she said, quand frère Branham s'est agenouillé pour prier pour moi, when Brother Branham went on his knees to pray for me, alors cet homme-là a regardé. Then that man looked, et s'est approché. Then got closer. Au lieu de prier, instead of praying, il s'est contenté de regarder. Le frère Branham. He was looking at Brother Branham. Il communiquait l'onction à frère. He was transferring anointing to Brother Branham. Et elle a dit. And she said. Il s'est tourné. He turned. Et m'a regardé. And looked at me. Et cet homme-là m'a dit. And that man told me. Maintenant. Now. Tu es venu pour être guéri. You came here to be healed. Tu seras guéri. You will be healed. Donc, cet ange-là communique avec quelqu'un qui
n'était même pas dans le message. So that angel talked to somebody who wasn't even in the message. Au lieu de communiquer avec Frère Branham. He started talking to Brother Branham. Tu es venu pour être guéri, n'est-ce pas? You came to be healed, isn't it? Tu seras. You will. Guéri. Be healed. Oh Jésus. Oh Jesus. Tu es merveilleux. You were just wonderful. Et la femme regardait. And the woman looked. He said. Il s'est tourné. She turned. He turned. Et m'a regardé. And looked at me. Et a dit maintenant. And said, "Now, tu es venu pour être guéri. You came here tu to be healed. Guéri. You will be healed." Oh Jésus. Oh Jesus. Et il a dit. And he said, "Mais, but." Il dit, Frère Branham n'est-il pas n'est pas très très faible? Frère Branham, isn't he so weak? Mais il sera fort dans un moment. But he will be very strong in a moment. Il dit, elle a dit, he said, alors quand? When? Ils se sont mis à pousser le brancard dehors. When they started putting the stretcher outside, on voulait le retourner dans? They wanted to bring her back. L'ambulance. In the ambulance. Alors? And then? Il est sorti, il a suivi. He came out, he followed. Il a suivi cette femme. He followed that woman. Allô? Alors, quand ils se sont mis à pousser le brancard dehors, allô? Alors il est sorti avec moi avec la femme. Par la porte. Il a laissé Frère Branham. He left Brother Branham. Il sort avec le malade. La he malade. Walks out with the sick. Et continue à parler avec la malade. And continue to talk with the sick. Il peut pas parler avec toi? He can't talk with you. Ah! Woo! Enlève l'incrédulité. Remove unbelief. Il sort avec moi. He came out with me. Par la porte. Through the door. Cette femme a dit, c'est la dernière fois. The woman says the last time que je l'ai vu. That I saw him. Jusque la personne entre dans l'ambulance. Till the person gets to the ambulance. Et l'ange disparaît. And the angel disappears. Acclamez le Seigneur. Put your hands together for the Lord Jesus Christ. Est-ce qu'on peut le voir? Oui. Can we see him? Yes. C'était la quatrième question. That was the fourth question. Maintenant c'est la cinquième question. That was the fifth. Merci beaucoup, pasteur. Thank you, Pastor. J'ai compris beaucoup de choses sur la manifestation du Fils de l'homme. Understood the thing of the manifestation. Mais, but il me reste qu'une seule difficulté. I have one hard time. Il est en train de s'installer en moi. He is installing himself in me. N'est-ce pas là la plénitude qui s'installe en lui? Isn't that the fullness of the deity installing itself in him? No. Oh no. 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 Frère Branham ne l'a pas dit. Brother Branham didn't say that. Il dit il est en train de s'installer en moi. He says installing himself in me. Il n'a pas dit la plénitude est en train he de s'installer en moi. He said the fullness is installing in me. Il ne faut pas le faire dire ce que lui n'a pas dit. Don't make him say what he didn't say. Ça veut dire. It means il sentait l'onction. He was feeling the anointing pénétrant en lui, penetrating him depuis la tête, from his head jusqu'aux orteils, to his toes. Moi, je l'ai fait plus de 3-4 fois. I experienced it 3 and 4 times. Cette expérience-là. That experience. Je vais vous raconter ça. I will tell you that. Je n'ai jamais reçu la plénitude en moi. I never received the fullness in me. C'est une expérience. That's just an experience. Quand vous faites quelque chose qui est tellement bien, when you do something that's so great, Dieu est tellement content, God is so happy. Vous sentez comme si vous allez mourir. You feel like you're going to die. Il entre ici. It gets in there. Il entre là. It gets in here. Vous sentez qu'il arrive jusqu'aux orteils. He gets to your toes. Oh Seigneur. Oh Lord. Laisse-moi Seigneur. Please leave me Lord. 3 ou 4 fois. 3-4 times. J'ai vécu cela. I lived it. Quand la Pentecôte était venue, when the Pentecostal came, à Kinshasa, in Kinshasa, là le frère Kalumbu était au fond là. The brother Kalumbu was there where he was living. Vous vous rappelez? Do you remember Mafo? Vous étiez là, Bamangiamba. You were there, Bamangiamba. On était tous partis là-bas. We went there. J'avais fait 3 jours sans rien manger. I did 3 days without eating.
Et je priais. And I was praying. Je priais. Praying. Et les visions venaient. And the visions were coming. Les visions venaient. The visions were coming. Et puis. And then. Je ne pouvais plus supporter. I couldn't support that. Cette nuit-là, je priais. That night I was praying. J'ai senti l'onction. I felt the anointing. Venir à moi. Coming on me. Pénétrer en moi. Penetrating me. Je sentais l'onction. I felt the anointing. Jusqu'aux orteils. To my toes. Je dis, oh Jésus. I say, oh Jesus. Oh Seigneur. Oh Lord. Je parlais en langue. And I spoke in tongues. Je dis, Seigneur. I say, Lord. C'était quand la Pentecôte était descendue. It's when the Pentecost came down. À Kinshasa. In Kinshasa. Je crois que j'avais raconté ça à mon épouse. I said that to my wife. Après quand cette onction est partie. And when the anointing left. J'ai continué à voir. I continue seeing visions. J'ai vécu ça encore. I lived it again. Quand? When? Mukuna nous avait chassé. Mukuna chased us away. Il dit, vous n'êtes plus des frères. He said, you're no more brothers. Mais moi, je suis un évangéliste. But I'm an evangelist. Je suis entré vers le Bas-Congo. I went to the Bas-Congo. J'ai prêché à beaucoup de villages. I preached in a lot of villages. Il y a un village là-bas où les gens ne parlaient que portugais. The village of people talking Portuguese. Qui connaît ça? Who knows it? C'est pas loin de Kinshasa. It's not far from Kinshasa. Et je leur ai apporté la parole. And I brought them the word. J'ai vu des gens qui ont marché sur des mines. I saw people walking on mines. Ils revenaient de l'Angola. They came from Angola. J'ai vu des gens qui avaient reçu des balles. I saw people who received got shot. Qui avait creusé l'œil. That went through the eye. La personne n'était pas morte. And the person did not die. Je suis allé les baptiser. I went to baptize them. Vous voyez quelqu'un qui n'a qu'une jambe. You see a man just with one leg. J'entre avec lui dans l'eau. I get with him in the water. Quelle onction. What an anointing. Né à Léopoldville. Born in Léopoldville. Grandi avec les blancs. Grew up with the whites. J'étais avec des villageois. I was the villagers. C'est tôt là quand vous entrez. And that would when you enter. Votre jambe pénètre juste ici. Your foot, your leg penetrates till there. Avant même que je baptise la personne. Before I baptize the person. Je sentais l'onction. I was already feeling the anointing. Jusqu'à mes pieds. To my legs. Pour toutes les personnes que j'ai baptisées. For everybody that I baptized. Vous regardez son œil. You look at his eyes. Vous voyez comment la balle avait traversé. How the bullet penetrated and came out there. J'ai dit, tu seras au ciel un jour avec moi. I say you're going to be in heaven with me one day. Je suis votre frère. I'm your brother. Il ne parlait que portugais. You were talking Portuguese. Je l'ai plongé dans l'eau. I plunged in the water. Et cette eau là très sale. And the water was very dirty. J'ai recevé chaque fois l'onction. And I was always receiving the anointing. Vous savez quand un homme est venu, j'étais un grand gérant d'une grande alimentation. You know when a man came, I was a great manager of a great shop. Avec deux chambres froides. With two cold rooms. En dolo. In dolo. Un malheureux est venu me demander l'argent. Man, a miserable man came asking for money. Il avait des plaies partout. He had sores everywhere. Tout son corps était rempli. His entire body was filled of sores. Je n'avais que 26 ans. Je venais de me marier. I was only 26 years old. I came from getting married. Je l'ai pris. I followed him and took him. Je l'ai amené. And I brought him with me. Là où mes travailleurs. Where my workers. Se laver. Were taking a shower. J'ai ouvert. I opened. J'ai touché ses plaies avec mes mains. I touched his sores with my hands. Dieu est mon témoin. God is my witness. Même ma fille. Even my daughter. Molly m'a dit qui est. Molly said. Infirmière m'a dit. She's a nurse. Fallait pas le said, faire. You shouldn't do that. Avec tes propres mains, with your bare hands. Même gants. Look for this for gloves. J'ai touché ces plaies avec mes mains. I touched those sores with my hands. C'était jaune. It was yellow. Et j'ai enlevé tout ça et les sang coulait. And I remember then the blood was coming out. Et je l'ai amené au-dessus. And I brought him upstairs. Dans ma maison. In my home. Qui ressemblait aux maisons des blancs. That was like the house of the whites. J'ai dit chérie. I said honey. La nourriture nous allons manger avec cet homme. The food we're gonna eat with this man. Ma femme me dit. My wife said. Chérie. Honey. C'est un fou. This is a fool. J'ai dit ce n'est pas un fou. I said this is not an insane. C'est Dieu qui me l'a envoyé. It's God who sent him to me. Tu dois l'aimer. I still have to love him.
Et il ne voulait pas manger. And he didn't want to eat. Ma foi, qu'est-ce que tu avais fait? Ma foi, what did you do? Emballer toute ma nourriture. She packed the entire food. Pour donner à cet homme. And gave it to that man. Mais quand j'ai nettoyé ses plaies, when I was cleaning his sores, j'ai senti l'onction ici, feeling the anointing there, descendre dans mon corps, coming down my body, jusque dans mes pieds, to my feet. Je dis, oh Seigneur, I say, oh Lord, oh Jésus, oh Jesus, tu es merveilleux, you're just wonderful, tu es merveilleux, you're just wonderful, tu es merveilleux, you're just wonderful. Je pleurais de joie, and I was crying of joy. Quand nous sommes descendus, when we came down. Lui avec toute la nourriture que j'avais donné, que ma foi lui avait donné, the Marfo gave to him. Nous arrivons dans la rue. We get on the street. Cet homme disparaît. That man disappears. Cet homme a disparu. That man disappeared. C'était Jésus qui était venu me visiter. It was Jesus who came to visit. Moi j'ai touché à ses plaies. And I touched his sores. Rempli de tout finant, rempli, full of pews, rempli, filled with it. Et l'onction était là. And the anointing was on me. Je n'avais pas toute la plénitude. I didn't have the entire fullness of God. No. No. C'est une expérience. That's just an experience. Que ce Branham a vécu. That Branham lived. Il n'avait pas toute la plénitude. He didn't have the entire fullness of it. Mais il sentait l'onction. But he was feeling the anointing. C'est normal. That is just normal. Si vous avez compris, dites amen. If you understood, say amen. Amen. Ah. C'était la dernière question. Non, cinquième. That was just the fifth question. Comment l'ange est venu à moi? Justement, cette histoire. How did you come to me? Exactly that story. Paragraphe 282. Paragraph 282. Je vais lire ça. I'm going to read it. Là où il a parlé. Where he spoke. Il dit, he says, pendant que je suis en train d'en parler, while I am talking about it, cette même lumière qui est sur la photo, that same light that's on the picture, est sur, that's, est à moins de 2 pieds. Donc, yeah, that's a little not far, 2 feet away from him. De là-dedans où je me trouve. From the place where I'm standing. En ce moment, in this moment. C'est exact. It's exact. No. The pillar of fire. Je ne peux pas l'avoir. I cannot have it. De mes yeux. I cannot see from my eyes. Mais je sais. But I know. Qu'elle est là. That she's there. Je sais. I know. Qu'elle est en train de s'installer en moi. That it's installing itself in me. En ce moment. In this moment. Oh. Oh, écoutez bien. Listen carefully. Si seulement vous pouvez savoir, if you can only know, la différence que ça fait, the difference that that makes, quand la puissance de Dieu tout puissant, power of God Almighty, entre en action, gets into action. C'est exactement ce que j'ai vécu. It's exactly what I lived. Il est nécessaire pour faire quoi? He is installed to do what? C'est la puissance de Dieu qui entre That's en action. Power of God getting into action. Et combien les choses prennent and how things takes un aspect tout à fait différent. A different form. Il parlait de l'onction. He was talking of the anointing. S'il dit que if he says, toute la plénitude de Dieu, the entire fullness of God, se trouve en lui. Is in him. Mais il s'est contredit. Then he's contradicting himself. Parce qu'il a dit que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Et personne ne peut avoir la plénitude de and Dieu. No one can have the fullness of deity. Dans la dispensation du Saint-Esprit. In the dispensation of the Holy Spirit. Saint-Esprit vient. The Holy Spirit comes. Et il descend sur tous les apôtres. And he comes upon all C'est the la même chose aujourd'hui. It's the same thing today. Chacun reçoit une portion. Each one receives his portion. Personne ne peut recevoir la plénitude. No one can receive the fullness. Dans la dispensation du Saint-Esprit. In the dispensation of the Holy Spirit. Il n'a pas même pensé, frère Branham. He didn't even, not even think. Ce sont les gens là qui connaissent rien, qui veulent faire He's le feu people par notre Dieu. Him our God. Il n'est pas notre Dieu. He is not in our God. Il est un grand prophète. He's a great prophet. Que Dieu nous a envoyé au temps de They la fin. The God sent in end time. Le messager de Laodicea. The message of Laodicea. Nous l'aimons. We love him.
Si vous ne comprenez pas, ne prêchez pas. If you don't understand, la chose que vous ne comprenez pas. The thing that you don't understand. C'est clair. Is it clear? La démonologie du domaine religieux. Demonology, the religious realm. When we said a lot of things. Paragraph 40. Paragraph 40. Et j'observe l'ange du Seigneur. And I observe the angel of the Lord. Quand il se tient ici. When he stands here. Je peux sentir que c'est là. I can feel it. Oui, je peux sentir que cela s'éloigne de moi. That it's going away from me. Dieu. God. Ouin le frère Branham. Anoint Brother Branham. Brother Branham le sait. Brother Branham knows it. Dieu. God. Le quitte pour aller. Leads him to go. Il le sait. And he knows it. Dieu va s'installer à lui. Pour faire quoi? Him to do what? Et se met dans la vue d'un frère Branham. Do you meet the same in Brother Branham? Frère Branham là la vue d'un frère Branham. Do you see him in Brother Branham? Fausse. Those are false doctrines. Nous avons notre Dieu. We have our God. Son nom est Jésus Christ. His name is Jesus Christ. Si quelque chose vous semble difficile, mettez ça de côté. Put it aside. Vous avez compris? Did you understand? Paragraphe 62, pouvons-nous voir Jésus? Verse 62, will we see Jesus? Nous voulons Jésus. Oh, we want Jesus. We want Jesus. Là, c'est quantième question. Nous sommes dans le cinquième. We are in the fifth. Aïe, aïe, aïe. Permettez-moi. Please allow me. Je ne vais pas vous laisser. I will not leave you. Jésus. Maintenant, si l'auditoire. Now, if the auditorium. Peut entendre ma voix. Can listen to my voice. Cette femme est consciente. That woman is conscious. Que quelque chose se passe. That something is happening. Amen. Amen. Maintenant, si vous pouvez voir. Now, if you can see. Maintenant même. Now. Entre moi et la femme. Between me and the woman. Se tient la lumière. The stands light. I know you know that. La lumière n'était même pas dans la salle. The light was not in the room. La femme est venue pour causer avec Frère Branham. The woman came to talk to Brother Branham. C'est souvent dans le film là. It's in that video. Quand il causait là. When they were talking. L'ange était là. The angel was standing there. Et la femme sentait l'onction. And the woman was feeling the anointing. L'ange n'était pas dans Frère Branham. The angel wasn't inside Brother Branham. Il dit l'ange, il est toujours à ma droite. He said the angel stands on my right hand side. C'est pour ça que j'amène les gens à ma droite. That's why I bring people on my right side. Vous avez compris? Did you understand? C'était une question difficile quand même. That was a tough question at least. Continue. Let us continue. But we're ready. I have another question. Cinquantième question. Sixième question. That's the sixth. Quand le frère Branham discernait les maladies là. When Brother Branham was discerning those sickness. N'avait-il pas la plénitude? Didn't he have the fullness? Qu'est-ce que vous dites? What do you say? Non. Hein? No. Je vous donne 12 sur 10. I gave you 12. Out of 10. Moi aussi j'ai dit non, non, I also non, said, non, 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 no. Comment? C'est par un don. It's through a gift. Paragraph 61. Paragraph 61. Le paradoxe. Paradox. Toute la plénitude quand il discernait. The fullness of deity when he's discerning. C'est fou. That's false. C'est
par un don. It's through a gift. Vous pouvez dire amen? Can you say amen? Amen. Par un don. It's through a gift. Je vais dire ça. I'm going to read it. Le paradoxe. Paradox. Maintenant, par exemple, paragraphe 61. Paragraph 61. Maintenant, par exemple. Now, for example. Nous avons l'esprit en portion. We have a spirit in portion. Il avait sans mesure. He had his measure. Il était la plénitude de la divinité corporellement. He Dieu. Was the fullness of deity bodily, God. Mais nous. But us. Nous l'avons avec mesure. We have it in measure. Maintenant, par exemple. Now, for example. C'est comme le petit don que nous avons au milieu de nous. It's the, like the little gift that we have among us. C'est le don qui opérait dans Frère Branham. It's the gift that was working by Brother Branham. C'est pas ça? Isn't that? Maintenant. And now. C'est comme le fait de prendre une cuillerée d'eau tirée. De it's like taking a spoonful of water in the ocean. Mais Jésus. But Jesus. Était. Was. L'océan tout entier. The entire ocean. Mais le don là, but that gift, il dit ceci n'est qu'une cuillerée. This is just a spoonful.